Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir s'il est possible ou non de faire des rencontres seniors sur BE2. Donc là, vous voyez que je suis actuellement connecté sur mon compte BE2. J'ai actuellement un abonnement premium pour tester le site. Et donc pour répondre à notre question, qui est donc de savoir si oui ou non les seniors peuvent s'inscrire sur BE2 et faire des rencontres, eh bien on va aller dans le menu contact et ici, on va cliquer sur ma recherche. Et donc si effectivement BE2 est un site de rencontre pour seniors, BE2 normalement va me proposer des profils qui ont plus de 50 ans. Donc je vais cliquer dessus. Et donc là, dans âge, vous voyez que je peux bien indiquer à BE2 que je veux rencontrer des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc situé dans la tranche d'âge 50-90 ans. Là, je vais mettre par exemple Paris pour avoir un peu plus de choix. Et puis ensuite, je vais laisser comme ça. Et je clique sur enregistrer. Là, malheureusement, BE2 ne met pas à jour mes propositions de contact. Donc, est-ce qu'il se base par rapport à mon profil? C'est ce qu'on va voir en rafraîchissant la page. Eh bien non, vous voyez que là, BE2 ne me propose toujours pas des profils qui ont plus de 50 ans. Alors, si on change la date de naissance, si on met par exemple 1960 et on clique sur enregistrer, on va retourner dans contact. Donc, mes propositions de contact, bah, toujours pas mis à jour. On rafraîchit. Ok, donc là, ça se met à jour. Ok, 43, 38, 35, 29. Bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Alors peut-être que pour faire des rencontres seniors sur BE2, il va falloir, lors de l'inscription, indiquer que vous avez plus de 50 ans et que vous recherchez des personnes de plus de 50 ans. Moi, ça me paraîtrait quand même bizarre parce que là, vous voyez qu'on peut toujours changer notre âge. Et ici, on peut faire une recherche entre 50 ans et 90 ans. Donc ça m'étonnerait que tout se passe lors de l'inscription. Là, je pense que c'est juste BE2 qui bug complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer BE2. Donc là, je me reconnecte à mon compte. Peut-être que c'était une histoire de cookie ou de cache. On va voir ça. Ok, donc là, on a une personne qui a 57 ans. On descend, 43. Voilà. Bon, bah écoutez, vous voyez que bah, faire des rencontres seniors sur BE2, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. On va cliquer sur recevoir des nouveaux contacts. Donc là, on a une nouvelle personne de 62 ans. Donc là, ouais, 62 ans, 57 ans. Il y a deux personnes qui ont au-dessus de 50 ans. Donc concrètement, si vous êtes une personne senior qui avait plus de 50 ans, eh bien là, on peut voir que BE2 n'est clairement pas un site de rencontre fait pour vous. Parce que si BE2 était un site de rencontre fait pour les seniors, on aurait beaucoup plus de choix de profil. Vous voyez quand même que là, je me suis mis entre 50 et 78. Et même si je me mets à 90, ça ne va rien changer. On va toujours avoir aussi peu de profils proposés. Et là, vous voyez que je me suis quand même mis à Lyon et Paris, qui sont les deux plus grandes villes de France. Donc normalement, c'est là où on a le plus de choix de profils. Donc si déjà à Lyon et Paris, on a trois propositions de profils, si vous habitez dans une ville moyenne, là, vous aurez vraiment zéro résultat. Alors là, c'est trop bizarre, vous voyez qu'il y a un nouveau profil qui est apparu, sauf que ce profil-là a 58 ans, alors que avant j'étais, je crois, c'était à 78, quelque chose comme ça. Donc normalement, ce profil aurait dû apparaître lors de la recherche précédente, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, clairement, d'une part, le module de recherche ne fonctionne pas, en tout cas, il ne fonctionne pas très bien, et d'autre part, bah ouais, il n'y a pas beaucoup de seniors qui ressortent des résultats de recherche. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices. Donc pour résumer, BE2 n'est pas un site fait pour les seniors de plus de 50 ans. Si vous êtes un senior de plus de 50 ans, moi je vous conseille fortement de vous inscrire sur le leader dans ce domaine qui est Disons Demain. Disons Demain qui est pour rappel une marque du groupe Mythique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à votre question. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.